Ok, salut mon chum, bienvenue dans notre épisode de Chummy TV. Puis parle-moi d'un colique, de gros colon, de gars qui est pas à ses affaires. C'est moi, ok, gars, j'ai oublié de mettre Simmons au chip et le gel des Nordiques en vente, même ces trois-là aussi. J'ai oublié de le faire. Là, hier soir, je me suis dit, quand j'ai remarqué, je me suis dit, bon, je vais le mettre pour une journée au cas où c'est qu'il y a quelque chose. Il n'y a pas grand-chose. Mais bon, au moins, j'ai Amius et Kiprusov pour ce trading day-là. Mais inquiétez-vous pas, ils vont être en vente encore une fois pour vous. Dans les prochains jours, je vais vous revenir quand c'est tous ces joueurs-là. Je sais pas à quoi je pensais. Écoutez, je pars mes affaires. C'est ça qui arrive aujourd'hui. Donc, Dan Amuse, on a 5 offres d'échange. On va voir ce qu'on peut avoir pour lui. Sam Gagné, arrêtez. Sam Gagné, c'est l'enfer. Ok. Gilet des Canadiens. Puis, OTQ Caroline, celle-là, on peut la rejeter. Vlasic, Eroff et une guérison. Vlasic est cool. Eroff, retardé. Patrice Cormier, Jason Pomainville. C'était quoi la première déjà? Sam Gagné puis quelqu'un. Ok, retardé. Mark Streit contre Dan Amuse, ça peut être bon aussi. Ah, oh, c'est tout, ok. 4 échanges, un peu là. C'est qui? Vlasic. Oli Jokinen. Ouais, Jokinen, je sais pas. Non, on prendra pas cet échange là. Vlasic et Eroff. Vlasic est sur le Canadien, hein. C'est tout le temps un peu moins le fun ça. C'est tout le temps, j'aime pas ça. Ok, mais par exemple, il est avec l'Avalanche, Eroff, donc ça c'est un positif. t'as peu, Vlasic et Eroff. Cormier, Pomainville est quand même fort. Pomainville est pas pire. Mark Streit, juste Mark Streit, j'aime bien ça. J'aime bien Mark Streit. Patrice Cormier. Mark Streit, Jason Pomainville. Mark Streit, Jason Pomainville. Mark Streit ou Jason Pomainville. On peut rejeter cette offre-là. Mark Streit ou Jason Pomainville. Streit a joué avec le Canadien, il doit être apprécié. Mais Pomainville, c'est un Québécois aussi, il doit être apprécié, pas pire et tout. Lié droit, capitaine des sorts en plus. Ouais, non, ok. On va accepter Jason Pomainville et Patrice Cormier contre Dan Amuse. Pour, donc, félicitations à celui qui s'est poigné un Dan Amuse. Merci à toutes les offres. Comme d'habitude, on va envoyer ça vers pile d'échange. Patrice Cormier, ben, on va le faire vendre. Wow! Non, on va vendre effectivement, whatever. Je vais le faire vendre rapide, mais ça change rien. Kiprusov, 12 échanges pour Mika. Voyons voir. Simon Gagné, ça c'est hot. Ça c'est hot en tabarnache. Chris Kunitz et Andrew Ladd, je préfère Simon Gagné. Yaroslav Halak, ouais, ok, il n'est pas 89, non, ok, il y a 2 entraînements. Justin Williams, très bon petit clin d'œil. Mais je le déteste parce qu'il est des Kings, puis il a éliminé les Sharks à lui tout seul. David Perron, ok, et j'ai des Blues. C'est sûr qu'Halak est quand même nice, voyons, retardez cette offre-là. Le Cavalier ou Simon Gagné, je pense que Simon Gagné vaut plus que le Cavalier dans ce jeu-là, mais quand même pas si pire. Giordano, je l'ai des remparts, on va prendre Simon Gagné. Dan Boyle et Paul Stachny, on va prendre Simon Gagné aussi. Martin Brodeur et Oh, c'est-tu pas beau ça? C'est-tu pas beau? Ah, c'est bien dit, c'est bien fait. Très bien fait. Bobrovski et Brodeur, les deux qui sont. Soit un, soit l'autre va être sur le cover de NHL 14. Deux gardiens, intéressant. J'adore ça, retardez ça. Nathan Beaulieu, Jérôme Gauthier-Leduc et Jean-Gabriel Pageau. Encore là, c'était intéressant, mais c'est sûr que si je fais ça, je pourrais pas continuer les trading day. Mais c'était quand même un bon petit clin d'œil. Gauthier-Leduc, Pageau, nice et Beaulieu. Bon, Beaulieu, ouais, Canadien, je sais pas trop, mais rejeté, merci quand même. Jordan Staal. Oh, ça c'est bon, ça c'est bon. Voyons, on va voir. Simon Gagné ou Jordan Staal. Vlasic et Steven Weiss. Je préfère Simon Gagné. Jordan Eberle. Et Yakupov. Bon, Yakupov, c'est sûr qu'il vaut pas grand-chose. Surtout qu'il n'a pas eu la meilleure saison. Tout ce qu'il a fait dans NHL, c'est se tirer sur ses deux genoux. Eberle, par exemple, il est quand même nice. Je sais qu'il est très apprécié. Mais encore là, il vaut pas si cher que ça. Simon Gagné, Brodeur, Eberle. Ok, retardé. Corey Crawford et et 5 pièces. Surtout les 5 pièces, là, ça, j'avoue que ça penche dans la balance. Not. Mais, ouais. Corey Crawford, Stanley Cup Edition, c'est pas pire pantoute. Je pense que c'est pas pire. Puis McDonough aussi, c'est hot. Retardé. J'adore ça. Ok, écoute ce que je vais faire. T'as peu. Simon Gagné. Halak, Williams et Perron. Ça, on peut rejeter ça. Brodeur, Bobrovski. J'ai encore le goût de réfléchir. C'est hot. Mais, t'as peu. C'est quoi? Crawford, Stanley Cup. Non. C'est bien passé. J'adore encore une fois la joke. Merci beaucoup. Mais non. Un jour, peut-être qu'une joke va gagner. Jordan Staal. Simon Gagné est mieux que Jordan Staal. Ouais, puis Crawford, Stanley Cup et pas pire et tout. Eberle, Yakupov, non. Crawford, McDonough. McDonough aussi, penche dans balance, c'est ça l'affaire. Retardé. Simon Gagné vaut combien déjà? Pas vaut combien, mais juste vérifier, il n'y a pas de pièce avec. Non, c'est ça, juste Simon. Avec les Flames en plus. Ok. Ouais, on va rejeter Simon Gagné. Ouais, il vaut peut-être 10 000,
Mais Crawford Stanley Cup, c'est hot parce qu'il est présentement dans les playoffs. Puis en plus, il y a McDonald's inclus. Merci à celle-là qui m'a envoyé cette offre-là. Crawford Stanley Cup contre Mika Kiprusa. J'espère que tu vas apprécier ton petit Mika. Nice. Donc, envoyé vers pile d'échange. McDonald's, envoyé vers pile d'échange. Et puis là, je suis en train de pas mal être certain de mon affaire. Il y a quelqu'un qui a envoyé une offre d'échange live là pour la durée. J'ai des Whalers, t'as un, prends-les. Prends-les, ma durée. Nice, bravo, félicitations. J'ai des Whalers. C'est quand même hot. Sérieusement, c'est un vrai gilet. Un vrai gilet qui est là. Ouais, je le mettrai. Je le mettrai. Un autre offre aussi pour les gauches et les droits. Qu'est-ce qu'il y a là? Oh, j'ai des Panthers. Nice, bravo. Bravo à Buddy qui a fait cette offre-là. Nice. Pas de trouble avec ça. Deux maillots actifs aussi, c'est pas grave. Et puis, je pense qu'il reste Silverberg. Hein? Ouais, Silverberg. Voyons voir. Voyons voir ce qu'on va faire avec Jakub. Non, on veut pas ça. On veut pas ça. Et Karkner, donc c'est ça qui remporte la palme pour Silverberg. Bravo. Good. Karkner contre Silverberg. C'est un bon échange. Je pense que c'est legit, hein? Ça fonctionnerait, ça, cet échange-là. Et puis là, ce que je veux faire, honnêtement, je vais vous remettre en vente tous ces joueurs-là. Par contre, je pense que je vais arrêter les trading days. Simplement parce que j'ai vraiment trop de joueurs. Puis en même temps, je veux pas non plus finir avec un date sucre puis vous voler vos joueurs. Tu sais, ça ferait aucun sens. Vu que moi, je joue pas puis vous jouez. Donc, ce que je vais faire, je vais vous donner ces joueurs-là. J'essaie juste de penser, là. Prochaine vidéo, je vais réfléchir tantôt, là. Je vais faire une vidéo bientôt pour voir qu'est-ce qu'on va faire avec ce paquet de joueurs-là. Parce que je veux pas faire de trading day, parce que je veux pas vous voler vos joueurs. Ça fait aucun sens, tu sais, comme j'ai déjà expliqué. Mais je veux quand même vous les donner, genre, parce que, Criff, si vous continuez de jouer, amusez-vous avec tous ces joueurs-là. Criff, on a un trio à l'attaque, un défenseur qui est All-Star, un gilet des Nordiques, puis un goaler All-Star aussi. Ça peut vraiment aider certaines équipes. Je vais réfléchir à ce que je vais faire. Mais je vais revenir bientôt pour la vente de ces joueurs-là. Inquiétez-vous pas, les boys. Merci encore une fois des Trading Day d'être là sur Chummy TV. Puis on se reparle dans le prochain épisode. Ciao, bye.